C'est Squeezie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Goat Simulator. Non, je déconne, c'est MK Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 4. Et comme dans la dernière mission, je l'avais expliqué. Ou bien plutôt, Saval nous l'avait expliqué. Oh non, pas ça. J'ai pas pris le bon chemin. Là, on va libérer des otages. Je pensais. Vous voyez les skills que j'ai au volant? C'est différent du tir au volant, hein? N'est-ce pas? C'est différent de ça. Tu vois, si vous me dites de viser ça, je vais viser là. Et je vais tourner, je vais aller dans la mauvaise route. Donc, on y va. Les otages, tenez bon. Il y a un très bon allié qui arrive vous sauver. Ouais, notre petite musique qui donne envie de danser. Attends, tuer les gardes, sauver au moins deux otages. D'accord, ça commence pas à être une bonne nouvelle pour moi parce que vous savez que j'aime foncer. Donc on doit le faire en silence parce que je pense. Normalement, si ce sont des bons soldats, ils vont tirer sur les otages si ils voient que j'ai tué quelqu'un. Déjà, il a failli voir. Boum, celui-là. On va s'occuper de la caméra, on va localiser les ennemis, les otages. Vous avez mes skills. Je suis Robin des Bois. Headshot. Il y en a un autre. Il est où, merde? Il est où? Où est-ce que ça va? Oh putain, il est là-bas. Voilà. La musique s'est arrêtée, ça signifie qu'on l'a libéré. Les otages sont sauvés, ça va. Tu honores le nom de ton père, Edge. Qu'est-ce qu'il cherchait à accomplir en fondant le sentier d'or? Aider son peuple. Écoute, moi je suis pas venu là pour mon père, ni pour tout ça. Tu peux vraiment être utile, mon frère. Regarde tout ce que t'as fait. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais on est dans le sentier d'or. Tu arriveras à Lakshmana. Je te le promets. On en va ensemble. Merci, Sabal. Négociateur, mission terminée. Hey, Alita. Je sais que Sabal t'a envoyé libérer les otages au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. Je comprends. T'es nouveau ici et Sabal peut être très persuasif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant, je dois briefer mes soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi? De pleurs. Ils n'aiment pas perdre ces joujoux. Tu comprends pas, AJ? On avait un plan. Et maintenant, il est foutu. Il faudra un bout de temps avant de pouvoir réattaquer Paul. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. Pas si je peux empêcher ça. AJ, attaquer l'avant-poste tout seul, c'est du suicide. Attends qu'on puisse envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. Et Jen, non, me... Je peux y arriver. Incursion. Quelle fin. Non, je déconne, c'est pas la fin. Vous méritez de voir plus.
et je mérite de tuer celui-là. Voilà. On va te détacher, mon jeune homme. Je croyais que j'étais foutu. On va aller là-bas. On va voir ce qu'on peut faire pour les aider. AJ Pagan. Oui. C'était seulement pour vérifier que t'étais bien là. Qu'est-ce qu'il fait, Pagan? C'est comme s'il m'appelait, merde, il me disait. Salut, ça va? T'es là? Oui, je suis là. Bon, ben, au revoir. Non, ça se fait pas, Pagan. T'es le roi du Kirat. Ça ne se permet pas ce que tu fais. Tu te comportes comme un petit bébé. Tu comprends ça? Oh, Shit. Ok, donc je crois qu'on va y aller à pied parce que... Ouais, voilà. Bon, alors, on va libérer les avant... Un avant-poste. Les avant-postes aussi fuient, se repèrent facilement aux colonnes de fumée noire qu'ils émettent. Si vous libérez un avant-poste sans déclencher d'alarme ou sans être repéré, vous recevrez des bonus d'XP. Chaque avant-poste libéré débloque un nouveau... refuge et des quêtes supplémentaires. C'est bon à savoir. Ouais, donc il a l'air d'avoir été attaqué en effet. C'est Jumbo l'éléphant. C'est Jumbo l'éléphant. Jumbo, je t'ai cherché partout. Ta mère est morte. Ne t'en fais pas, je m'occuperai de toi toute ma vie. Mais pour ça, on va ouvrir cette cage. Merde, libère-toi. Libère-toi. Oui, je t'ai libéré. Donc on va aider Jumbo. En espérant qu'il reconnaisse le mal du bien. Boum! Merci Jumbo! Vous avez vu l'équipe qu'on fait? J'ai cru qu'il allait m'attaquer. Wow! Jumbo, je suis avec toi! Je suis dans ton camp, on est alliés! Jumbo! Trahison! Méchant Jumbo! Vilain Jumbo! Vilain Jumbo! Mais merde! Vilain Jumbo, méchant Jumbo! Vilain! Et mince! D'abord les otages, maintenant l'avant-poste. Tu n'écoutes vraiment rien, AJ, mais je dois admettre que tu as fait du bon travail. Merci. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Ta mère serait fière. Tu veux aller où déjà? À Lakshmana? Dans ton cul. Le voyage ne sera pas simple. Le Nord est aux mains de Paganmin depuis des années et ici on se bat comme on peut. J'ai promis à ma mère de rapporter ses cendres. C'est sa dernière volonté. Réfléchis bien, AJ. Ta mère savait exactement ce qui se passerait à ton arrivée au Kirat. Le fils de Mohan Gale revient dans son pays natal en pleine guerre civile. Ishwari savait ce qu'elle faisait. Ta présence ici et l'aide que tu apportes ne sont pas un hasard. Bats-toi avec nos Medjay. Rejoins le Sentier d'Or et je te le promets, tu exauceras le dernier vœu de ta mère. Que ce soit en dispersant ses cendres à Lakshmana, ou en réalisant quelque chose de plus grand. Hey, l'autre camp. Est-ce que mes parents ont vraiment fondé le Sentier d'Or? Oui, c'est vrai. Ils voulaient libérer le Kirat du régime de Mine. Tu as l'occasion de nous aider à finir ce qu'ils ont commencé. Alors, réfléchis bien, AJ. Je crois qu'il va rester.
terminé. Bon choix, AJ. Mais vilain Jumbo, vraiment. Qu'est-ce qui te prend, Jumbo? Hey, il est où? Jeu en cop. Vous avez débloqué le jeu en cop. Permet de jouer en équipe. Nice. Je vais voir notre ami Jumbo s'il est toujours là. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, AJ. Oui, je cherche un éléphant. En fait, il s'appelle Jumbo. Je sais pas si vous l'avez aperçu dans les parages. En fait, c'est lui qui a tout fait le travail ici. Il a libéré tout le monde, mais il m'a donné une bonne raclée d'un. Monsieur, je n'avais pas fini. Monsieur. En plus, j'ai plus de flèches. Monsieur, je n'avais pas fini. Restez là. Donc, je me demandais si vous l'aviez aperçu. Quel est votre problème, monsieur? Exprès. Bah si, je le fais exprès, mais quand même. Bah oui, on le touche le cul comme ça. Oh ben, notre ami Jumbo nous a vraiment trahi. Hein. En fait, il est vraiment parti. Sur ce... regardez un peu la carte du monde. Ah, les points de compétences. D'accord. On peut prendre des seringues. Plus de flèches, plus d'incendiaires, tout ça. Ah, monter sur le dos d'un elfe. Monter sur le dos de Jumbo. Ça risque d'être amusant. On va le pardonner s'il nous laisse faire ça. D'accord. Donc on a deux missions qui s'offrent à nous. Le sentier d'or. Et... H. Urk, lancez-vous dans une mission pour Urk. Vous recevrez une grande quantité de roupies. Donc, je pense qu'on va faire une mission sentier d'or. Donc, à la prochaine, les amis. En fait, peut-être que ça sera Urk. Qu'est-ce que j'ai... Non, ce n'était que moi. Bon, ben, à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Quoi qu'il arrive, je suis prêt. On se retrouvera pour faire soit la mission de Santé d'Or, soit la mission de Urk. Au revoir.